Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, je suis monté dans les combles d'un immeuble pour te parler de ventilation de chute. Alors, la ventilation, on en a déjà parlé dans précédentes vidéos, sert à ventiler ton installation sanitaire. C'est elle qui va permettre, entre autres, de faire l'aspiration, par exemple, au niveau de ton WC. Quand tu tires la chasse et que l'eau s'évacue de ta cuvette, eh bien, c'est ta ventilation de chute, c'est cette ventilation-là qui va te permettre de faire l'aspiration. S'il n'y avait pas de ventilation, en fait, ton eau resterait à stagner au fond de ta cuvette. Donc, c'est pour ça que la ventilation est très, très importante. Donc, on va la retrouver bien souvent dans des combles d'immeubles, mais aussi dans des combles de maisons individuelles. Donc, en fait, on va monter cette ventilation dans les combles et on va la raccorder sur, par exemple, une tuile à douille, on appelle ça une tuile à douille, ou alors un petit chapeau qu'on va mettre sur un toit de zinc. Donc, écoute, moi je vais t'en montrer une ventilation, j'en ai justement une là à côté, et puis je voulais te montrer un petit peu comment ça se présentait et comment on pouvait raccorder ça. Donc ça, c'est vraiment la ventilation qui se trouve sur le toit zinc. Donc tu vois, là, elle est carrément soudée. Elle est soudée vraiment sur la tôle zinguée. Et là, en bout, ils ont mis un petit chapeau, ça doit être un petit chapeau Nicole, que tu viens coller directement dessus. Donc ça, c'est ça qui va te faire vraiment ta ventilation de chute. Et là, sous la toiture, tu vas retrouver ton embout, c'est-à-dire le bout mâle, où tu vas venir mettre ta ventilation pour pouvoir la raccorder. Donc ce genre de chapeau, tu vas le retrouver sur de la tuile, tu vas retrouver ça sur de l'ardoise, du zinc comme là que je viens de te montrer, mais tu vas le retrouver sur toutes sortes de toitures. Donc les fabricants font ces genres de petits chapeaux pour toutes sortes de toitures en fait. Hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. En fait, si tu veux toi refaire une ventilation, par exemple pour ta maison, il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir, donc je te montre, il suffit d'avoir ta ventilation de chute qui sort dans tes combles, comme ici, tu vois. Donc là, elle sort directement dans les combles de l'immeuble. Et puis, d'adapter, de réadapter sur ta toiture un petit chapeau comme je viens de te montrer pour pouvoir raccorder cette ventilation. Donc pour raccorder cette ventilation, tu as plusieurs techniques. Après, ça va dépendre du diamètre, en quel diamètre tu sors. Bon, bien souvent dans les maisons, tu sors en diamètre 100. Ici, on est en 110, donc on va raccorder ça avec un embout qui reçoit du 110. Donc ici, en l'occurrence, l'embout mâle qui se trouve sur ton chapeau est en 100. Donc ici, nous, on va venir adapter une pipe de WC droite avec un joint à lèvres. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas avoir vraiment l'étanchéité entre ta ventilation et ton embout mâle de ton chapeau. Donc, nous, c'est ce qui va nous permettre. Donc, ici, tu vois, on va faire un jeu de coude, ce qui va nous permettre de raccorder cette ventilation. Ensuite, tu peux, si tu n'as pas de joint à lèvres, si tu ne veux pas acheter de joint à lèvres, tu peux éventuellement mettre un manchon et venir raccorder directement ton plastique dessus. Ensuite, tu fais un joint de silicone tout autour, parce que là, en fait, il faut quand même l'étanchéité. Il ne faut pas qu'il y ait déjà d'une part d'odeur qui ressorte entre ton plastique et ton embout de chapeau, mais il faut pas non plus qu'il y ait de la condensation, parce que bien souvent, avec par exemple l'eau chaude, quand tu déverses de l'eau chaude, soit dans ta baignoire, dans ton évier, etc., ça crée de la vapeur et la vapeur remonte dans tes canalisations et remonte dans la ventilation. Ensuite, ça peut faire de la condensation entre ton tuyau et ton embout de chapeau. Et si tu as, bon, ici on est sur du béton, tu vois. Par contre, si tu as des combles avec du placo et de la laine de verre, au fil des années, ça crée de la gouttelette et ça tombe directement sur ta laine de verre, sur ton placo, et voilà, ça crée un sinistre. Donc, il faut impérativement étancher entre ton plastique et ton embout de ton chapeau. Ça, c'est impératif. Alors, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser ta ventilation comme ça dans tes combles. On croit que voilà, ça va ventiler dans les combles et puis ça va y aller tout seul. Sauf que, eh bien, si tu as de la laine de verre sous ta toiture, eh bien ici, ça va créer de la vapeur parce que là, quand ça sort, eh bien, ça fait de la vapeur. Ça crée de la vapeur et puis hein, ça va venir pourrir toute ta laine de verre si tu as de la laine de verre. Ou, eh bien, de là, ça, pareil, ça va te former de la gouttelette et ça va retomber sur ta laine de verre si tes combles sont pleins de laine de verre. Donc, si tu n'as pas le moyen de mettre un petit chapeau
sur ta toiture, et bien là, tu vas y mettre un aérateur à membrane que tu vas venir coller directement sur ta ventilation. Donc ça, l'aérateur à membrane, je t'en ai déjà parlé et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ça, c'est vraiment quand on ne peut pas mettre de chapeau sur sa toiture, pour une raison ou pour une autre, on met un aérateur de membrane directement sur sa ventilation. Mais dans tous les cas, on ne laisse pas une ventilation comme ça à l'air libre dans des combles. Tôt ou tard, de toute façon, si c'est du placo dans une maison, il y aura certainement des fuites entre les combles et l'étage, et tôt ou tard, il y aura des odeurs qui vont se propager dans ta maison. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Si tu achètes une maison où tu fais construire, c'est vraiment à surveiller, savoir si les professionnels ont bien fait leur boulot, ont bien fait leur travail, s'ils ont bien fait l'étanchéité de ta ventilation ou s'ils l'ont bien raccordé. Ça, c'est impératif. Donc, en résumé, la ventilation en général est très, très importante, aussi bien au niveau du raccordement que de la ventilation de tes appareils sanitaires. Parce que si tu n'as pas du tout de ventilation et que tu as des problèmes d'aspiration au niveau de ton WC, n'hésite pas. Trouve le moyen de sortir une ventilation, trouve le moyen de sortir dans tes combles ou dans une gaine technique avec un aérateur à membrane, mais il faut impérativement que tu aies une ventilation sur ton réseau d'évacuation sanitaire. Voilà. Ben écoute, moi j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider, qu'elle va pouvoir t'éclaircir. Si tu l'as aimé, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard, salut.